Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans cet épisode 48 d'Au coin du Blu-ray. Épisode 48 donc toujours consacré à la lettre V, dans laquelle je vous ai dit que j'avais pas beaucoup de films, donc j'avais Voyage au bout de l'enfer et j'ai un autre film qui, comme je l'évoquais la semaine dernière, parle également de l'Amérique, mais sous un angle beaucoup plus tragique. Enfin, si, tragique d'un point de vue historique. Ouais, non, ça allait tout autant en fait que la guerre du Vietnam, mais c'est très différent puisque c'est sur le sol américain. Ça s'est passé en 2001 et le film dont on va parler s'appelle Vol 93 ou United 1930 de Paul Greengrass, qui parle d'un sujet dur puisque donc le 11 septembre 2001, il y a eu 4 avions qui ont été détournés. Et ben tous ont atteint leur cible sauf un, le fameux Vol 93. Et le film nous parle de son équipage, des pirates qui ont essayé de détourner l'avion et surtout de l'issue tragique malheureusement de ce vol. C'est un film qui a quelque chose de particulier pour moi. Vol 93, j'ai découvert assez jeune, je pense à peine quelques mois après sa sortie en salle. C'est un film que j'avais très envie de voir parce que je trouvais le sujet extrêmement casse-gueule, parce que on va pas se voiler la face, les films sortis autour du 11 septembre dans les années qui ont suivi les événements, c'est rarement bon, parce qu'on sent qu'il y a encore un affect profond, et surtout, vu que ça s'est passé sur le sol américain, il y a une envie de vouloir être hyper patriotique qui mêle des fois un espèce de pathos très larmoyant et une envie tragique et de romanesque qui ne fonctionne pas. World Trade Center d'Oliver Stone est parfaitement à cette image, puisque World Trade Center d'Oliver Stone est un espèce de mélodrame grandiloquent et souvent lourdingue qui n'arrive pas à être ce qu'il veut être. Ça reste bon. Pas un mauvais film, c'est juste que ça n'atteint pas son objectif de base. Et je trouve que du coup, le film qui en découle n'est pas très intéressant. Vol 93 de Paul Greengrass, on peut clairement en parler comme un chef-d'œuvre. Parce que là, il y a un point de vue, il y a une forme, il y a un geste cinématographique qui indéniablement transpire tout du long du film et donne lieu à un moment de cinéma qui n'est pas uniquement juste, mais qui, au-delà de ça, est émotionnellement très fort. Je pense foncièrement que ce film, si vous le regardez et que vous ne l'avez pas encore vu, va être difficile pour vous. Pas forcément parce qu'il parle de quelque chose qui a été une tragédie américaine, et donc que du coup, en tant que français ou francophone, on peut se sentir pas forcément hyper touché par ça, simplement parce que le point de vue de Paul Greengrass est avant tout un point de vue humain. Et la crédibilité et la puissance de ce point de vue humain transpire tout du long du métrage et ne fait pas uniquement que marquer l'esprit du spectateur un petit peu, mais réellement donne lieu à un moment de cinéma où en tant que spectateur, on est presque mis à rude épreuve parce qu'on s'attache à ces gens. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que Paul Greengrass ne s'imite pas simplement à un point de vue américain. D'ailleurs, ça a été beaucoup critiqué lors de la sortie du film par les Américains justement, le film ne s'ouvre pas sur un point de vue américain. Le film s'ouvre sur le point de vue des pirates. C'est quand même extrêmement couillu lorsqu'on est anglais, en plus, qui plus est, parce que Paul Greengrass, c'est bon de rappeler que ça n'est pas un américain, c'est un anglais. C'est quand même couillu quand on est un cinéaste anglais de se dire qu'on va faire un film aux États-Unis sur une tragédie américaine qui a eu lieu il y a peu de temps et que pour point de vue premier, on va mettre les pirates. Ben vous savez quoi, ça marche. Et au-delà de marcher, ça impacte encore plus l'esprit du spectateur parce que du coup, on se retrouve face à une dualité qui est extrêmement tragique. Vous savez, au début, je parlais du fait que parfois, les films autour du 11 septembre sont un peu trop tragiques. La tragédie que met en scène Paul Greengrass est des deux points de vue. Du point de vue des pirates et du point de vue des Américains. Parce qu'à aucun moment, il ne cherche à faire des pirates des antagonistes purs et durs, et à aucun moment, il ne cherche à faire des Américains des héros pleins de noblesse. Il veut juste montrer l'humanité dans ce qu'elle a de plus bizarre, dans ce qu'elle a de plus tordu, dans ce qu'elle a de plus barré, et par moments, ça passe par un peu d'affect pour les pirates. Et où on se dit, ces mecs-là, peut-être qu'ils n'ont pas forcément très envie d'être là et d'aller jusqu'au bout de leur plan. Et c'est cette brutalité, cette intensité, cette clairvoyance d'esprit qui fait que le long métrage de Paul Greengrass n'est pas uniquement un énième film sur le 11 septembre. C'est un film qui parle d'une tragédie américaine dans une époque où les idéaux américains sont souvent remis en question. C'est ça qui en fait un chef-d'œuvre. C'est ça qui fait que c'est pas uniquement un bon film, c'est vraiment un grand film. Et c'est un film où toute la maestria de la mise en scène de Paul Greengrass transpire. Paul Greengrass, c'est un cinéaste qui a toujours aimé la caméra épaule et le réalisme poussé dans un retranchement. Depuis Bloody Sunday, c'est ce qu'il voulait faire de son cinéma. Et ses films dernièrement l'ont encore une fois prouvé, même quand il se frotte au western, où il arrive quand même à faire en sorte que sa mise en scène soit logique, dans un monde où potentiellement elle n'a pas vraiment de crédibilité, mais où du coup, elle va être quand même juste, parce qu'elle va réussir à capter quelque chose avec le plus de réalisme possible. Vol 93 est déchirant. Les 20 dernières minutes du film sont d'une telle brutalité, d'une telle intensité, d'une telle justesse de mise en scène que réellement ça risque d'être insoutenable pour vous. Et pour autant, on veut quand même aller jusqu'au bout parce qu'on veut voir l'issue, on veut savoir comment ça va se passer, on veut savoir comment ça va se terminer, même si on sait très bien que ça va être tragique. C'est ça pour moi qui fait la puissance de ce long métrage. On n'est pas uniquement devant une œuvre qui cherche à être très pathos dans son regard sur le 11 septembre. On est devant une œuvre qui cherche à regarder avec le plus de crédibilité, le plus de justesse, le plus d'intensité et le plus de crédibilité cinématographique, un événement qui a changé la face de l'Amérique moderne. C'est ça qui fait que Paul Greengrass livre des grands longs métrages et c'est ça qui fait que Vol 93 en est un exemple pur, dur et magnifique. Niveau bonus, vous êtes vraiment des chiens Studio Canal parce qu'on était sur vous aussi la semaine dernière. Et pareil, il n'y avait rien. Là, encore une fois, il n'y a rien, alors que je sais très bien que ce film, il y a plein de choses autour. Il y a plein de choses qui sont très facilement trouvables sur YouTube. Donc, si vous voulez un petit peu de bonus, allez sur YouTube, vous en aurez plein. Malheureusement, pour ce qui est de ce Blu-ray, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout, c'est une catastrophe. Il n'y a même pas de petit docu, il n'y a rien, il n'y a que dalle. Mais ça reste quand même un très bon film à voir. Vol 93 est un film important pour l'histoire de l'Amérique, important pour l'histoire du cinéma, parce que c'est un film qui a su démontrer qu'on pouvait regarder un événement historique majeur de l'histoire moderne d'un pays sans pour autant aller dans un besoin d'être patriotique. Peut-être que ça joue le fait que Paul Greengrass ne soit pas américain, qu'il soit anglais et que du coup il porte un regard particulier sur ce pays. Mais je pense foncièrement que c'est juste un regard d'auteur mis au bon endroit, au bon moment. Donc Vol 93 de Paul Greengrass, regardez-le. C'est impressionnant, c'est par moments difficile à regarder, mais c'est une œuvre forte et c'est une œuvre importante. Ainsi s'achève cet épisode 48 de Coin du Blu-ray. Encore une fois, j'espère qu'il vous a plu. Tiens, donnez-moi dans les commentaires un film qui pour vous arrive à parler avec clairvoyance et logique d'un événement historique sur lequel il pourrait y avoir un côté un peu trop pathétique ou tragique. Dans le sens où on aurait trop tendance à vouloir s'attacher au perso dans une situation où c'est pas forcément ce qui doit ressortir le plus. Vous pouvez me citer ce que vous voulez comme événement historique. Tant que c'est dans l'histoire de l'humanité, ça me va. Et d'ici là, je vais vous dire ce que je vous dis à chaque fois à la fin de cette émission. Il y a bien plus de secrets qui se cachent dans une jaquette de Blu-ray.